Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien, vous avez la pêche aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour une vidéo pas de ouf, hein, non, parce que vous avez pensé qu'on allait parler d'un truc de ouf, étant donné que j'ai parlé de façon très enthousiaste, si je puis me permettre, enfin bref, non. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va un peu parler des DLC et des rumeurs qui tournent un peu sur le web. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, vous. Bon, moi, personnellement, je vais vous donner mes avis sur tout ce qui est les rumeurs de GTA V et les DLC. Voilà, quoi. Beaucoup de rumeurs tournent, hein, que ce soit des vidéos anglaises ou des vidéos françaises. Hein. Je tiens à préciser que je ne vise aucun YouTuber. Comme ça, on va pas me dire, ouais, tu vises telle personne, etc. Je ne vise absolument personne. Je tiens à mettre les choses au clair. Parce que des personnes me demandent, pourquoi je ne fais pas de vidéo sur les futurs DLC? Donc je vais tout simplement exposer un peu le sujet. Et du coup voilà, donc c'est pas sous forme de débat, c'est sous forme d'info. Donc beaucoup d'images, beaucoup de vidéos tournent actuellement sur le web. Que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur des sites dédiés à GTA V, des forums, etc. Il y a énormément de photos et d'images qui tournent. Dans ces vidéos ou dans ces images, on peut apercevoir énormément de choses, que ce soit des intérieurs, des nouvelles voitures, des nouvelles maisons, des nouveaux personnages, des nouveaux vêtements, etc. On peut vraiment apercevoir de tout. Moi, personnellement, j'ai pu apercevoir énormément de choses et je peux vous dire que si à chaque fois que j'apercevais quelque chose, je faisais une vidéo sur le DLC, je peux vous dire que je sortirais quasiment une vidéo info sur les futurs DLC. J'en sortirai quasiment une par jour parce que oui, je me cultive et je m'informe énormément en ce qui concerne GTA étant donné que c'est vraiment la révélation pour moi. Donc du coup, je m'informe pour vous partager tout ce que je peux, ce soit des glitchs ou même des informations, des astuces, etc. Donc moi, je m'informe et quand je vois à peu près tout ce qui tourne, je me dis mais est-ce que les gens se foutent pas un peu de votre gueule? Sérieusement. Quand je vois des images ou des vidéos qui datent d'il y a 3-4 mois où les gens ont commencé à faire en sorte qu'il y ait énormément de vidéos sur les DLC, combien de personnes avaient dit qu'il allait y avoir des vaisseaux, des véhicules ultra modernes, il y avait vraiment de tout, il y avait des nouveaux avions, il y avait des nouveaux véhicules, des nouveaux tanks, etc. Mais what? C'est des personnes, j'ai vu ça, c'est des vidéos, ils avaient sorti ça, ils avaient dit en 1.10. Ou c'est comme les personnes qui, que ce soit en français ou en Amérique, ou les anglais, ils disent... Donc déjà, j'ai vu des vidéos en 1.9. Ils disent pour la 1.10, les braquages. En 1.10, il n'y a pas les braquages, ils refont une vidéo en 1.11, les braquages arrivent. Les braquages sont pas là en 1.11, ils refont exactement la même chose pour la 1.12. Pourquoi? Pour vous attirer. Tout simplement. Moi, je dis pas ça pour critiquer des youtubeurs, loin de là. Je tiens juste à mettre les choses au clair. Faites gaffe parce que c'est très très souvent des rumeurs. En ce qui concerne les images, je peux vous dire que c'est très très facile de sortir des images, hein, avec Photoshop. Donc moi, je m'excuse de l'erreur que j'ai fait avec le DLC High Rollers. Donc on m'a très vite informé que c'était un fake. Donc j'ai donc mis la vidéo et donc je l'ai donc supprimée. Mais on m'a vraiment très très vite informé, je l'ai supprimée, j'en suis vraiment désolé. C'est pour cela que je ne fais quasiment aucune vidéo sur les DLC. C'est tout simplement pour pas m'en prendre plein la gueule et tout simplement pour ne pas vous mentir. Parce que moi, je suis sur YouTube pour pas vous mentir. Je vous donne vraiment des informations très concrètes et à chaque fois des informations sûres. Les seules informations que je vous avais données, c'était pour le DLC. C'était pas le dernier, mais c'était l'avant-dernier où le Dubstar est arrivé. C'est vraiment à celui-là où je vais donner des vraies informations. Ce DLC s'est révélé exact. Et c'est à ce moment-là que. Seulement à ce moment-là que je vous ai donné des informations sur le DLC. Mais sinon, vous n'en avez quasiment jamais vu. Donc, voilà, vous me donnez tous vos avis dans l'espace commentaire. Après, si vous voulez impérativement que je fasse des vidéos sur les DLC, dites-le moi, hein, si vous voulez que je vous mente, etc. Mais après, moi, sachez que j'ai vraiment pas envie de m'en prendre plein la gueule. Moi, je fais des vidéos tout simplement pour le plaisir et pour vous faire partager un peu mes connaissances en glitch, etc. Et mes informations, parce que vous ne passez pas forcément
Bah moi je passe pas mon temps sur les forums, mais je fais mon petit tour quotidien parce que j'ai des références. Et du coup voilà, il faut vraiment que je vous fasse partager un maximum d'infos, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Je tweete énormément, je poste énormément de statuts pour rester vraiment très très en contact avec vous, être le plus proche de vous. Et donc voilà, donc vous me donnez tous vos avis dans l'espace commentaire. Si j'ai d'autres news, moi je vous les balance sur Twitter et Facebook comme d'habitude, ça n'a pas changé, les liens sont toujours les mêmes. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA V ou d'autres jeux. N'hésitez vraiment pas à partager pour que tous vos amis puissent dire et donner leur avis sur ces rumeurs. Est-ce que, je vais poser la question en fin de vidéo, sur toutes les personnes qui ont fait des DLC, des vidéos sur des DLC, des infos, combien de personnes ont eu vrai, ont eu raison dans ce qu'ils disaient sur les DLC. Donc il y a eu plus des centaines, des milliers de vidéos sur des DLC. Et on va dire qu'il y a qu'une vingtaine, voire une trentaine de vidéos qui se sont révélées vraies. Et moi je les ai regardées ces vidéos hein. Et du coup il y a que trentaine de vidéos qui se sont révélées vraies. Donc voilà, je vous laisse répondre à cette question. Dites-moi tous vos avis dans l'espace commentaire. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Comme je l'ai dit, je ne vise aucun youtubeur. Donc ne dites pas ouais Virtuous, tu insultes telle personne, etc. Je n'insulte personne et je ne vise personne. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA V ou d'autres jeux, que ce soit des informations, des glitches ou des astuces. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, allez, ciao bébé tout le monde.